Hey, bonsoir tout le monde. On est le 15 février 2018. Et c'est le c'est le temps de chasser des monstres avec moi-même Mad qui continue sa partie de Monster Hunter ce soir comme tous les jeudis depuis un certain temps. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Sinon, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin avec votre douce moitié, ou sinon que vous avez passé du bon temps tout seul, parce que, tu sais, pas grave, si on est tout seul à Saint-Valentin, il y a tout le temps moyen de se gâter. Qu'est-ce qui s'est passé de bon depuis la semaine dernière? Ben, j'ai changé un peu de look de mon bonhomme, j'ai changé sa coupe de cheveux, puis j'ai aussi changé de set d'armure. Dans le fond, là, j'ai crafté mon premier set d'armure high rank. Donc, j'ai un set de Kadashi, incluant l'arme. Et c'était surtout ça qui m'intéressait là, au début. Là, parce que j'ai tué une couple de fois le Kobe Kadashi, là, qui est un monstre qui est comme une espèce de lézard mélangé avec un écureuil volant qui fait de l'électricité. Fait que c'est ça, là, je me suis tapé une couple de fois le combat contre lui pour essayer de ramasser le plus de matériaux possible pour pouvoir crafter l'arme, puis en plus, ben, toutes les pièces d'armure. Puis sinon, ben, même chose pour mon chat. Puis tout, il y a un set de Kadashi sur lui. Fait que c'est ça, j'ai avancé un peu la quête principale. Dans le fond, j'ai débloqué une nouvelle zone qui s'appelle le... J'ai déjà oublié le nom, mais on va checker tout de suite le nom. C'est ça, Elder's Recess. Qui en français, j'imagine, serait traduit par la récréation des aînés. En tout cas, c'est ce que je suspecte que ça s'appellerait en français. Pis c'est ça. Puis là, dans cette zone-là, ben, il y a plein de nouveaux monstres qu'on n'a jamais rencontrés auparavant, puis que, incluant des Elder Dragons, qui sont les monstres les plus tough du jeu, parce que c'est des, et ça le dit, là, c'est des dragons aînés. Ils ont du vécu, ces dragons-là. Pis c'est ça. Puis là-dedans, tu croises des nouveaux monstres, tout ça. Puis là, faut que tu suives les traces d'un de ces Elder Dragons qui s'appelle le Nergigante. Oups, il y a mon appui-bras qui vient de clencher, ça a fait du bruit. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai l'air d'être en chemin pour tenter de trouver ce Nergigante-là, puis espérer l'affronter. Puis, ben c'est ça. C'était un des monstres qu'ils ont rajouté au dernier bêta, quand le jeu était en open beta, là, il avait rajouté une mission contre ce monstre-là, le Nergigante, qui est un gros monstre plein de pics qui est très dangereux, puis que j'ai pas réussi à battre parce qu'il était juste trop tough. Fait que, avant de partir en expédition pour essayer de trouver ce monstre-là, ben, on va manger, parce que c'est très important. C'est ça. Puis entre-temps aussi, j'ai débloqué la capacité de pouvoir avoir 6 ingrédients pour chaque repas que tu manges, fait que t'as plus de possibilités d'avoir des boosts de stats et de skills. Et ça fait des plus gros repas, évidemment. Puis aussi, le fameux Kirin là, que j'ai essayé d'affronter la semaine dernière, mais que j'ai pas réussi à battre, ben j'ai réussi à le battre. Ça a pas été facile. Il a fallu que je change de set d'armes. Parce que j'avais une arme qui faisait de la glace dans le fond, puis c'était pas super efficace. Fait que j'ai pris une autre arme, un autre gun lens que j'avais qui faisait du feu, qui était un petit peu plus fort aussi. Puis avec, je pense, beaucoup de luck, ben finalement j'ai réussi à le battre ce foutu Kirin là. Puis j'ai vraiment pas hâte de l'affronter en version plus forte parce que ça a pas été facile. Ah, puis j'ai aussi appris que c'était apparemment un Elder Dragon. Fait que c'était mon premier Elder Dragon dans le jeu que j'ai affronté. Fait que. Si les autres sont aussi tough que ça, ou sinon plus, ben juste avoir de la misère. Mais bon. Sans plus tarder, on va partir à la chasse au Avenel Gigante. Là, c'est comme pas une quest officiellement, c'est juste une expédition, je pense.
On va partir en expédition puis explorer la cour de récréation des aînés. En tout cas, je me tente toujours pas de me battre avec le Gunlance là, à date. Là. C'est une arme que j'aime bien, malgré que t'as pas beaucoup de mobilité, en tout cas moins que plusieurs autres armes. Mais le fait que t'as un gros shield qui peut bloquer pas mal toutes les attaques, ça rend ça pas mal efficace. En tout cas, moi j'aime ça. Là. Définitivement pas une arme pour tout le monde. Mais juste le fait de pouvoir tanker bien des dégâts avec ce bouclier-là, ça rend ça beaucoup plus facile contre certains monstres, en particulier là, le Diablos, c'en est un que lui, il charge tout le temps puis que il a l'air d'être un paquet de troubles pour bien du monde, mais moi, quand je l'ai affronté la première fois, c'était pas trop tough. Tant que je gardais mon shield levé au bon moment, c'était pas un trop gros problème. Là. Bon. On va aller fouiller dans le supply box. Et on va explorer vu qu'on n'a pas de temps limite. Prendre sur relax. Capturer des petites bibittes comme ça là. Hey, hey, hey. Ah, je l'ai vu. Bomb Beetle. Ok. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser. J'ai des scarabées explosifs. Sinon, ben là, faut que je trouve des traces de pas comme ça. Là. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour une quête principale. Puis dans le fond, il te demandait de fouiller un peu partout dans la map. Puis d'essayer de trouver des traces pour... trouver des nouveaux monstres là, qui sont dans cette nouvelle zone là, puis j'en ai rencontré. Oh, il y en a un. Ça, il y en a un qu'on vient de voir, que c'est une espèce de gros monstre recouvert de métal qui chie des espèces de boules de boules de magma, je sais pas trop, c'est explosif. Sinon, il y a cet autre gros blizzard crapaud bizarre là que j'ai rencontré, mais je l'ai pas battu, mais je pourrais le battre. Il n'y a pas l'ice stuff que ça. Puis sinon, il y a un gros monstre qui vit dans lave. Hein? Non, fuck. Il est mou du chat sauvage. Ah oui, c'est ça, les grosses les boules de lave explosives que je parlais. Là. Ça qui laisse traîner un peu partout. Le dodo gamma, il a pas l'air trop hostile. Je vais ramasser du stock autour. Oup. Ok, ça c'est les bombes qui explosent. Oh, oui. Ah, je pensais que c'était des traces de nerfs gigantés. On va ramasser des traces, puis des empreintes, puis de la roche là, pour donner des points de recherche sur cette bébête-là, parce que on connaît pas grand-chose sur lui. Ça, ça bouge pas vite. Youhou! Ah, c'est pas ça que je te tire un net dessus. Ben, tu vas aimer encore moins ça. Hey, 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 va-t'en pas, toi, là. Ben, on va le poker à la face. Bon, le jeu m'apprend comment évader parce que apparemment j'ai oublié comment faire ça. Wow! Bon, c'est sûr que si je bloquais, ça irait un petit peu plus facilement. Aïe aïe, il est déjà en train de me donner du trouble, puis il m'a stunné.
Bon. Bon. Je l'ai peut-être sous-estimé un petit peu. Good job, Kiryu, tu l'as poigné dans ton piège. Oui, c'est du backer. Oui, as-tu lâché un pet? Ok. Continue d'attaquer à queue. J'ai mangé un pieu dans la pleine gueule. Il y a plein de plantes de vitalité. Que si je restais dedans, ça pourrait m'y aller. J'ai l'air de pas porter de casque, mais j'ai activé l'option pour faire en sorte que le casque affiche pas, parce que le casque de cette set d'armure là, comme une espèce de petit chapeau de poêle, je le trouve un petit peu laid. Bon, pendant qu'il est aveugle, on va recharger. L'autre qui est revenu. Wow! Là, l'autre va être un paquet de troupes s'il vient se mêler au combat. Il me semble que j'ai du caca d'équiper ici. Où là? Va-t'en! L'autre s'enfuit. On va s'aiguiser. Non. Fuck. J'oublie tout le temps de rechanger de catégorie quand j'utilise ce menu radial là. C'est tout le temps à voir. Comme un noob. Oh, puis il fait chaud ici. J'ai-tu des cold drinks? Ah, si j'ai oublié de me prendre des cold drinks. Non. Pas des chill shroom qui fall ici. Ow. Ben voyons. Ça va pas bien. Je suis capable d'attirer dans la zone de feu. Il fait pas super chaud. Et là, tranquillement, pas vite, je suis en train de perdre la vie parce que il fait chaud dans cette zone-là. C'est ça que je suis safe. Mais je vais en profiter pour me prendre des cold drinks. Si je peux m'en voir dans une zone où il fait chaud, j'ai pas de protection contre ça, ben ma vie va descendre graduellement. Bon, cold drink. Cool drink, pardon. J'ai tout perdu mon boost de vie. Stamina. Ok, il est en dessous. C'est lui. Ah.
je peux pas le viser à cause de la maudite curseur qui veut pas aller sur la bonne place. Putain, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je peux pas sauter en bas de là. Change d'étage, non? Non, tu vas continuer de me faire chier, maudit camp. On va pas du tout dans la bonne direction. Il est assez loin là. Bon. Wow. Là, je vais prendre mon cool drink. Ça avec. Regardez ça de près. On va prendre notre temps pour récolter des affaires vu qu'il n'y a pas de temps limite. Bon, me v'là. Pouf. La barmouche a fait mal, ça, les Stinger Bombs. Ah, encore lui. C'est comme un effet sur moi que j'ai jamais vu auparavant. Hein. Du blast, c'est ça? Peut-être du blast. Avec d'autres slinger bombs pour y tirer en face. Ouais, on vient tout de bas. Manger de la garnotte. Dodo Gamma Scale. Oh, je fais demi-tour.
Ah, il est si proche de la trap. Ah, puis c'est couché. Et mettre une trap. Ben voilà, un monstre capturé. Gang de petits cris de chat. Habituellement, ils sont pas mal plus hostiles que ça. Voyons, je porte pas attention à mes balles. Ouh, un paralysis knife. Bon, mais on va continuer notre exploration puis essayer de trouver un air giganté. Bon, faut que là j'aurais pu perdre de vie vu que j'ai pris un cool drink. Hop, je suis déjà full. Éliminer les affaires de supply. On va enlever ça. Ouch. Il y a l'air d'avoir des chemins barrés dans la map. Gros X. Fire herb, on va faire ça. Bon, c'est le gros tatat tout à l'heure. Ah, come on. J'ai une petite herbe que je peux paresse. Last note. Pourquoi je peux toujours retourner à un camp puis vider mon stock? Ah, c'est pas que ma paix. Oh, ow! Ouais, avant d'aller plus loin, oups, c'est le bon piton. Tourne au camp. Non. Game box. Je vais reprendre mon loadout. Plus les cool drinks. Et voilà. On va storer nos matériaux. Bon. Bon. On va retrouver notre chemin. Comme où ce qu'on était. Oup, oup, oup. Ah.
Hey. C'est pas me faire chier, vous autres. Ow. Voyons. Voyons. Tu viens crever? Non. Attends, fuis-toi! Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Du béryl. C'est bien fun de trouver des empreintes de monstres que j'ai déjà vues, mais c'est pas ça que je veux. Oh, des chill shrooms. Ah. Ça ressemble à Baselgeuse. Je suis de taille pour affronter ça. Oups, on prend un autre cold drink. Donc, cool drink, j'arrête pas d'appeler ça cold drink. Oh. Pas une quest, fait que je peux pas failer. Oh, nice job, Kiryu. The king des traps. Hein, petit pieu dans le péteur. Oh oh. Avoir des bomb pads. Ouch! Ah, come on! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il a changé de forme! Il est rendu tout reluisant, puis il m'a stunné. The fucker, il fait des bombardements. Ah! Bon, ça part mal. Ouais, quelle est la place pour manger? Prendre une coupe de... Oh! J'ai été utilisé, fuck! Ah, oh, on va prendre de quoi de basic, là.
Je pense qu'on va laisser faire Basil Juge pour l'instant, puis essayer de se concentrer sur trouver une Nergigante. C'est même ça le but de la quest, pourquoi je suis là. Je perdrais pas mon temps avec un monstre que je sais pas si je suis de taille pour l'affronter. Bon, laisse-moi tranquille, là. Je vais juste passer. Oh, là, toi! De pas. Plus d'autres choses par ici. Oh, puis. Il y a la grosse bébête de la lave. Oh, puis le basageuse qui revient pour sa vengeance. Au bout de ça, ouais, il y a des ossements. Puis j'ai une petite stamina. Oh. Calme-toi là, je suis pas là pour t'affronter. On va ramasser ce qu'on peut. Bon, des empreintes. N'importe quoi là qui va me permettre de trouver cette putain de Nergigante là. Ces bébites-là donnent de quoi d'intéressant, mais on dirait que toutes les façons que t'es dessus, ça les fait exploser, donc ça laisse pas de cadavres. Il y a peut-être juste le capture net que genre ça fait un gros 2 de dégâts de la shot. Un petit peu long, on les tue avec ça, là. Mais au moins, ça laisse des cadavres. Monster Broth. Ah, j'ai pogné des matériaux que j'avais jamais pogné auparavant. Des fois, ça peut être bien important pour crafter des affaires. Rouge. Il a l'air de pouvoir avoir un chemin éventuellement, mais il est bloqué. Là.
Si je full, qu'est-ce que je peux enlever? By the way. Bon, on va arrêter de ramasser des affaires d'abord, là, si je vais en mettre dans mon inventaire. Je peux ramasser des matériaux par contre, mais juste pas... les systèmes normaux. Eh, voyons. Grimper, c'est pour les niaiseux quand t'as ça. Bon, coupe d'ossements à ramasser ici. Ok. Type de ammo pour le slinger. Crystal burst. Ben, coudonc. Mon petit temps de piton. On va retourner au camp. Puis, on va tenter de faire une vraie quest. Puis, peut-être dans une autre map. Puis, espérer trouver d'autres traces de nerfs gigantés. Parce que, d'après moi, pas juste dans cette map-ci qu'on peut en trouver. Je me souviens bien ce que la Handler disait, là. Qu'elle dit du coup, genre, hein, continue de faire des quests un peu partout dans le monde, puis tu vas trouver des traces d'énergie gigante. Fait que, on va faire ça. J'aurais pas vraiment besoin de faire ça, j'aurais pu quitter l'expédition tout de suite. Encore penché devant l'NPC comme un niaiseux. Fin de l'expédition. Bon, au moins, on a capturé une bébite, là. Un dodo gamma. C'est ça, un dodo gamma. Plus plein d'autres affaires. Des points de recherche. Bon, on va essayer de trouver de quoi de plus excitant à faire là, que de courir en rond dans une map. Ah ouais, viens-t'en ici, mon Arnold, que je te flatte. Bon, qu'est-ce que ça disait là?
Item ready to harvest, bounty complete. Excellent. On va faire la tournée. Hello. Un bounty de fait. Qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce qui donne gros des rewards? Rotten Vale ou Ancient Forest? On va prendre Ancient Forest. Ou je préfère Coral Island, comme ça il va y avoir deux de fait en même temps. Sinon, hein, ces bounty limités là, expire dans 22 heures. Ouh. Oh boy, chasser 5 Elder Dragon, no thanks. Et chasser 4 Rathalos, puis chasser Great Gyros. Ouais. Ça, c'est clair que j'aurais pas le temps de tout finir ça. Les delivery, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Les Torrent Sack. Des morceaux de Gyrotodus Paulumu. Et bon, on va ramasser mes champignons. On va rajouter ça. Ok, maintenant. On va aller voir ce qu'on peut faire comme quest. Juste checker de coup. Je voulais vérifier que je devais dans une session online au cas où peut-être si Pat viendrait faire un tour, mais il a pas l'air d'être là. J'ai pas une nouvelle de lui. Bon, là, il y a la quest, la event quest de Zora Magdara, ça c'est plate. Deux Jagras, niveau 2. J'ai pas de quest à signer, bon, quest optionnel. On a chassé un Rathian Rose. On va faire ça. Ben, on va partir en plein milieu de la map. Oh. J'ai trop de vouchers, faut que j'en utilise un, puis espérer pas l'avoir gaspillé. Si je fais la mission, je perds mon voucher. Ok, j'ai-tu besoin de quoi de spécial pour cette quest-là? C'est vrai que j'amasse plus de caca dans la nature, parce que j'ai plus rien pour faire des dung pods. Pas de caca. Sinon j'ai-tu des affaires à vendre? Des fois tu te retrouves avec des affaires dans ton inventaire qui sert juste à être vendu comme ça là. Ça reste traîné pis t'es oublié pis t'as du cash traîne dans ton coffre. Partir en mission Drella. Ce qui est le fun avec les armures high rank, c'est que là, Bastard, t'as la notion de slot et de décoration, que dans le fond, les pièces d'équipement, ils ont des slots que tu peux leur mettre des décorations qu'ils appellent, là. C'est comme des gems, là, genre dans Diablo. Que tu peux mettre dans des slots que ça te donne des bonus de skills. Ça donne pas des bonus de stats, mais ça permet de genre personnaliser un peu les skills que tu veux selon l'arme que tu as. Fait que tu peux faire des combos de skills intéressants. Là, pour l'instant, vu que je viens de commencer high rank, ben là, c'est là que tu commences à avoir des décorations, mais j'en ai pas beaucoup, fait que j'ai pas
J'ai pas ben ben du stock comme décoration là. Comme lui, j'ai un Protection Jewel niveau 1. Un autre ici, un petit Attack Boost. Palico Rally. Bon, ben, j'ai rien mis dedans parce que j'ai rien de bon. Mais c'est ça, fait que là, c'est un gros paquet de mélange de skills niveau 1. Ça donne des bonus passifs en un paquet d'affaires là, au lieu d'avoir des... moins de skills, mais de plus haut niveau. Alors, faut juste espérer de pogner les décorations que tu veux. Ça veut dire chasser des monstres. Bon, là pour ma quest, faut que je trouve un Rathian Rose. Des traces de je sais pas quoi, ça. Bon, petite bébite qui veulent se battre, là. Des traces bleues. Oh, ce qu'on est ici? Ah, des scratchs de Diablos. Pas l'air d'avoir des traces de Rathian. On va ramasser tout ce qu'on peut. Tant qu'à niaiser. Oup. Rémi Diablos. Mais c'est pas vraiment lui qu'on recherche. Des traces! Ah! Le coup de queue! Good job, Kiryu! J'ai comme oublié de manger en partant pour cette quest-là. Ben, on va aller régler ça. On va retourner là. Un choix de chef. Peut-être bien les affaires que je garde tout le temps dans mon inventaire qui sont un peu inutiles et qui prennent de la place, mais
Je préfère avoir des loadouts qui ont pas mal tout ce que j'ai de besoin de rapide pis de prêt. Ah, ça c'est un couleur spécial ça. Fuck, je l'ai perdu. Ah. Donne-moi tes cornes. Comme la manière un peu poche de pogner des cornes sur des calibis, là, tirant le capture net, mais au moins ça les tue pas. Ah, là, ça vient de dropper. J'ai remarqué qu'il y a un Wedge Beetle là. Bon. On va bien finir par le trouver, hein. Maudit Raffin, c'est pas comme si c'était petit. Hein. Pas en haut de tout ça d'intéressant. Je vais fouiller un cactus. Ça, ça a l'air d'être le raffin normal. Moi, c'est le rose que je veux. Oups. Oh. Pink Raffian. Oh, apparemment, il est par là-bas. Je t'agache le son des deux ensemble. Je vais le voir dans la map. Oh, on vient pas loin de ma position. Croisé dans pas long. Je vais pouvoir sauter dessus par surprise. À le monter. Oh, là j'ai eu. Là je l'ai eu. Ah oui, sac ça à terre. Oh, shit. Oh, nice job, Kiryu. The King Day Trap. Away, away. Bon. Un petit burst dans la face. Come on. Can't wait.
il a déjà peur de moi. Oh, shit. Pensez-vous, j'ai vu des traces de ce que je cherche. Ow. Bon ben. Ça va être pour plus tard, ça a l'air. Oh, nice. Nice job. What the fuck? Ah, non, pas toi. On va te sortir le caca. Ça, casse la gueule. Vole ma job. Bon, il s'est enfui. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps d'équiper mon Bandit Mental pour ramasser des items de plus sur le monstre. Nice! Lâche mon chat! Oh, j'ai réussi à draper de quoi? Oh. On va essayer de couper la queue là. Capable de rester tranquille. Le temps de me healer là. C'est ça, je m'occupe de ta queue. Calmez-vous. Ah oh, putain, passageuse. Laisse ma cible tranquille. Il y avait juste un caca que je peux pitcher. Là. Non! Yeah, prends ça, prends un paratote dans ta gueule.
Ah ouais, l'antidote, applique-toi. Oui. T'es dans le feu Kiryu avec les traps. Come on, coupe d'accueil. Arrête de bouger. Ow, 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 shit. Lâche ton arme, fuck, crawl! Pitch à terre, fais n'importe quoi! Ok, petit instant de panique. Même, il m'a le tué avant de couper la queue. Yeah. Shit. Il était pas du bon bord. Ça fait du fun avec d'autres bébites, lui, là. Shit. Je suis caché dans le monstre. Oh, fuck. Je suis bloqué. À chaque fois que je vise la queue, il se retourne puis c'est sa tête que je poigne. Kiryu, lâche pas! Oh, je peux prendre mon bandit mental. Non! Can't we? Bon, ben, on va manger un steak. Ah ouais, ça peut être une bonne idée de m'aiguiser aussi. Oh. Capable de sauter dessus du site. Exprès.
Moi, tu pognais la queue. Non, pas la face, la queue. Ah, fuck you, là. J'ai plus de crotte pour toi, là. Peux-tu se faire interrompre de même? Poigné là pendant une seconde. Ah! Shit, 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 shit. Non! Ah! Fuck. Il est déjà prêt pour être capturé, mais. Je vais couper la queue! Ça. Fait que là, va aller du crush. Bon, ben, on va le capturer. Hein? Yeah. Avoir l'opportunité. Ah, non, j'ai pas eu l'opportunité. On va le blesser encore un petit peu. Ow, ow, fuck. C'est du poison. Non! Non! Non, je. Fuck! Qui pensait que tout allait bien, Astic. C'est lui qui se réveille, qui crache du feu, qui me tue. Mental resist up. Comme j'aurais pris la peine de fouiller là-dedans. J'ai plus de dung bomb! Mais bon, c'est pas bien grave là, c'est pas ça que j'ai de besoin. Faut juste que je capture le teint de Raffian Rose. Ah, fuck le tough skin fruit là. Ok, ok, ok. Non, je ne suis pas à plat ventre, je veux juste que tu roules. Garde-moi et moi, là. On peut pas l'exciter. Quoi, mais c'était pas à queue. Yes! Il est coupé à queue!
Tiens, on va l'aveugler un petit peu. Excellent, tu sais, tout croche. Reload. Tu vas essayer qu'une trap. Oh. Ah, il n'est pas encore assez magané. Bon, au pire, on le tuera. Oups. Pfff! C'est Kiryu qui l'a capturé! Esti. Le chat est meilleur que moi, esti. Esti de chat. Bon ben, on va danser. Ah, shit, pas le temps de danser. Hein, t'as mérite ta saucisse, hein? Esti. Tout plein de morceaux de Raffin Rose. Oh, des décorations. Stun Resistance pis Botaniste. Ah, je suis mort une fois, fait que la récompense a été réduite, mais au moins j'avais mon voucher. Bon, il est déjà 9h20. Tabarnouche, ça passe vite. J'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose non plus. Là, je suis plus proche de peut-être sur les traces de Nel Gigante, là. Ah ouais, viens-t'en, mon Arnold. On va aller voir notre beau Raffian qui a été capturé. Avec ça, il manque même un bout de queue. Oh! Il y a de quoi déterrer ici. Ouais! Du caca! J'en avais justement besoin, j'en ai plus. Hey, saute pas trop vite là. Je te flappe. Excellent. Et si on niaiseuse de même, je peux-tu en acheter du caca? Ah, des cool drinks, ça va m'en prendre beaucoup. Bon. Potion, on va en acheter une coupe. On va acheter une antidote pour arrondir ça à 30. Puis le reste, ben, bah. Bah. Non. Il n'y a pas l'air de vendre de crottes. Faut vraiment que tu les ramasses dans la nature. Non. Sinon, je vais voir lui, là. Le Special Investigation. Pas une place qui t'indique là, si t'es bien proche de savoir ce qu'il faut comme recherche là, pour trouver les monstres qui me manquent. Non.
Sinon, mes chats, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ah, le bounty. Bounty. Faut que j'oublie ça. Hello. Large monster capture. Yo! Il reste deux quests. Qu'est-ce que je peux bien faire comme quoi? Ça, c'est complété pour l'instant. Sinon, j'ai des petites quests un petit peu plus ordinaires. Chasseur Paolumu. J'en avais besoin pour une request. Pour mes investigations. Oh, ok, j'avais accepté des investigations, mais j'avais pas l'Hunter Rank pour. Hunter Rank 13 et plus. Okay. Bleh! Bon, Toby Kadashi, ça, j'en ai assez tué de même. Bon, on va aller faire le Paolumu. Faire changement. Pas me battre encore contre un Raffian, même s'il sera pas rose. Il me semble qu'il est plus dans ce coin. On va utiliser un autre voucher. Loop de Paolumu. C'est quoi ce feline groomer déjà? Pas ouais, bien pratique. Attaque up L. Unpredictable platter. Je vais aller avec ça pour le fun. Bon. Oh. Comment c'est doc? J'espère qu'on va retrouver d'autres traces de Nergigante, là, parce que là. Moi, je pensais que j'allais affronter ça à soir, là, que ça allait être un pet me rendre jusqu'à lui puis essayer de l'affronter, mais là. Ça a l'air que je suis pas encore prêt pour ça, là. Fasse d'autres quests par rapport, puis. Trouver des traces un peu partout dans les maps. Oups. Ok, bon. Bon. Pas des traces de Légiana, c'est pas ça que je veux. Oh, Paolumu, shit.
Oh. Quand tu suives les traces. Bon, c'est pas le monstre que je cherche, mais fais des points de recherche. Trace de Kirin. Oh. Ah, ils sont là. Là, j'ai pas hâte d'affronter la version high rank du Kirin. Bon, où es-tu, putain de Paoloumou? Ça peut pas être loin. Faut fouiller là-dedans, voir si on peut trouver de quoi d'intéressant. Ah shit. En fait, elle allait s'accrocher sa liane. C'est ce que je pense. Non, il me fait courir à travers toute la map. Oui, t'es pas beau. Hey, j'ai vraiment l'impression de me faire niaiser là. Calique. Ça veut dire qu'il y avait une place où miner. Ah, ici. Que le jeu me troll. Bon, d'autres empreintes. Ouais, faut que je redescende là.
Je me troll. Il sait-tu là, que je cours après? Hein? Semble que je suis comme de retour au point de départ. En tout cas, ça va me permettre d'avoir miné toute la map. Au moins, j'ai pas un temps limite serré. Oh, d'autres traces. Comment ça, faut que je revienne sur mes pas? Ah, il est là-bas. Il arrête pas de s'envoler puis changer de zone, c'est ça. Salaud. Piné dans la map. Maintenant que j'ai assez ramassé de ses traces. J'ai chatouillé le bout de la queue. Non, reload, esti. Arrête de crier là! On va se gonfler. Oh, il se gonfle. Ow! Non, ma capture! Fuck! Parce que j'ai ça quand ça fait ça! Pourquoi ça fait ça? Je vais peser sur tous les pitons pour essayer de m'enfuir. Au moins Kiryu le garde occupé. Oh, nice job. Une belle trap, ça. Bouge pas de là. Bon, ça n'a pas été trop catastrophique, là. Un petit problème technique con. Là. C'est dans les pires moments que ça arrive. Bon, il est là-bas. J'aurais pas besoin de courir à travers toute la map.
encore une trap, man. C'est en feu. Ow. Ah, t'en merde. Uh-oh. Ça me tapait ses nerfs, là. Voyons. Pas mal plus chiant que la version normale. La version low rank, plutôt. Non, oh, hein, dépose-toi à terre. On va te forcer à terre. Ça n'a pas fait grand-chose. De chill dans les airs. Ah! Le reload. Non, il y avait une trap à terre. Fallait juste que tu mettes le pied à terre. La peine de ramasser ça, ça sert à rien. Ouais, ça donne des points de recherche, mais là. Pas rien que ça à faire. Bon, essayons d'en finir. Can't wait. De la trap. Un petit worm steak d'en face. Ah, fuck, pas un titi à coup. Bon, on va espérer pas me faire déranger pendant que j'aiguise mon arme. Ah! Bon, ça ne sert à rien de me pitcher à terre, j'étais déjà en dehors du range. Ah, ah! Ah, t'aimes ça?
pas l'air d'aimer ça. Ah, on recommence. Boom, burst. Schlack, schlack. Ow. Reload. Il a échappé de quoi d'autre à faire? Un Paolumu material quelque part à terre. Oh, et des traces de Kirin aussi. Plein d'affaires. Et Luciole capote. On va miner ça. Ah, là. Ouh, Paolumu scale plus. Ah, check les autres tombés à terre. Il y a un Ligiana qui s'en vient ici. Bon, sur les traces du Paolumu. Ah, va chier, toi. C'est même pas de m'attaquer, toi. Ah, shit. On est là. Pas le temps de niaiser que vous autres, là. Ah. Le chat, il a apprivoisé un chamos. Par où que je passe, là? Ow. Bon. S'assurer d'être correct. Bon, on va tester une trap. Et voilà. Et voilà. Une petite danse rapide. Bon, mais à l'heure qu'il est là, je pense qu'on va oublier ça pour le Nergigante. Mais je pense qu'on a progressé un peu pour essayer de trouver ses traces un peu partout dans le monde. Pour éventuellement le trouver et ultimement l'affronter puis le chasser. En tout cas, on va flatter mon Poogie. D'abord et avant tout, toujours important.
Là, toi. Là, une affaire de fête. Un autre bounty de pet. Un autre large monster capture. Alright, qu'est-ce que ça disait d'autre? Bon, les systèmes prêts à être cultivés. Plein de mandragores. Bon, y a-tu d'autres affaires que j'aurais besoin que j'ai pas en grande quantité? Adamant Seed 33. Dragonfield Berries pour faire du Dragon Ammo, mais j'ai pas d'armes range qui utilise ça. En dragage, je suis rendu à 90. Nitro Shoe. The Devil's Blight. C'est ça. On va pouvoir faire des grosses bombes. Pas que. Ouais. On est 21 quand on dit qu'il y a des Shield Shrew. Ça, j'en ai pas beaucoup. Fait qu'on va prendre ça à la place. Des Shield Shrew, j'en ai besoin si je veux survivre dans les températures extrêmes. On va faire ça. C'est ça. Ensuite, ah oui, il y avait le bateau qui était là. Bon, qu'est-ce que tu viens de m'apporter là? Bon, les matériaux. Ok. Un peu de petites affaires. Donc, ça. Rien d'extraordinaire. Bon, c'est du stock que je peux revendre pour faire du cash. Excellent. Oups. J'ai acheté ça. Regardez ça de même. Et on va aller vendre tout ce beau stock là qu'on a eu. Là, on va faire un petit peu de ménage. Sell items. Sport items. Oh, j'ai vu que j'avais plus de méga potions. Pardon. Ouais, 50. Bang. Des méga potions, on va en faire. Oups. Je vais faire 50, mais là on va en faire 49. Et voilà. Plus simple que ça. Bon, on va sorter ça. Sorter ça. Puis à la fin, on a plein de stock à vendre. Bon, et Beautiful Scale. Un petit 6000 piastres. Un petit 1200. 1600. 1500. Puis 5000. Facile de mind. Ok. Donc comment ça avance là, la recherche là? Tabarouette. Pas de quoi spécial. Pas d'infos, c'est des bits que j'ai. Pas assez d'infos. Oups.
Seulement, ça me donnait un indice du progrès que j'ai. Oh well. Bon. Ben, à l'heure qui est là, je pense qu'on va mettre fin au stream pour ce soir. Donc, merci à tous ceux qui m'ont regardé. J'espère que vous avez apprécié. J'aurais voulu faire plus d'affaires que ça, mais finalement, ça s'avérait être pas super productif à soir. Pas eu de super... Ouais, le combat contre le Pink Rathian avec le Bazelgeuse qui me fait la pute là. Il lui met le trouble. Moi je devrais être de retour jeudi prochain pour la suite de mes aventures. D'ici là, ben je vais espérer pouvoir retrouver les traces de ce maudit Nergigante puis de ces autres Elder Dragons là pour pouvoir les affronter éventuellement. Puis jeudi prochain, ben c'est ça. Soyez là à 20h pour voir la suite de Monster Hunter World avec moi-même. Sinon, ce dimanche, il devrait avoir une game de Dungeons & Dragons, je crois, avec nos tout nouveaux personnages, vu qu'on est tous morts la dernière game qu'on a faite. Fait que on va recommencer une nouvelle aventure. C'est la même aventure, mais avec 4 nouveaux personnages. Qui eux vont tenter à leur tour d'essayer de trouver le putain de Soulmonger puis survivre à la putain de jungle de Schultz. Sinon, je vous rappelle que niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon de jeux vidéo pour venir en aide à des organismes de bienfaisance du Québec. Cette année, ça va être le 5, 6, 7 octobre 2018, en tout cas à date. Et ça va être un 48 heures de jeux vidéo et le thème sera 25 ans de jeux vidéo où on a choisi 25 jeux qu'on va jouer qui datent de 94 jusqu'à 2018. Fait que manquez pas ça. Puis si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, la meilleure manière de le savoir, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook au facebook.com/nivsuivant en un mot. Même chose pour Twitter au twitter.com/nivsuivant. Puis on a aussi une chaîne YouTube où on archive tous nos streams. Et nous diffusons en direct sur twitch.tv/niveau suivant. Puis là-dessus, vous avez notre horaire de stream. On stream lundi, mardi, mercredi une fois sur deux. Parce que là, Francis, ça a l'air qu'il ne peut plus streamer tous les mercredis là, à cause de son horaire de travail. Fait que ça va alterner entre mercredi puis vendredi, dépendamment de la semaine. Toujours à 19h30, je pense, en tout cas. Sinon, il y a moi qui est le jeudi et notre game de Dungeons & Dragon qui passe les dimanches à 19h. Si on réussit à rejoindre tout le monde, à rassembler tout le monde, parce que c'est pas tout le temps libre. Pas facile, en tout cas. Fait que là-dessus, moi je vous laisse, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée.